Ça veut dire quoi? On mange, mais après, on va se soigner. C'est qu'il va falloir qu'on sache
Oui, mais après, mais l'homme a dit, il a quoi finalement? Dieu m'a vu tout ça, il se pose des questions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe depuis des années? Et Dieu n'est plus de plus en plus. Enfin, ça vient d'où? Il y a le baba. Non, il y a le baba, moi je dis, mais il n'y a pas ça. C'est pas comme ça que c'est qu'il y a le baba. On a le droit de regarder ce qu'est-ce qu'on mange. Il y a des gens d'accord, des gens, oui, tu n'es plus de son baba. Mais tu n'es plus de son baba, c'est parce qu'il y a un problème. En Égypte, je donne l'exemple, en Égypte, je disais un gars qui a écrit ce qu'on appelle la limite de la religion de l'Israël, de la religion, pas de l'Israël, de la religion populaire en Égypte. Donc, c'est un journaliste comme moi qui écrivait avant la religion et qui écrit quand même après la religion. Il a constaté qu'en Égypte, les femmes se voient plus qu'avant. Et pendant que le fait que les femmes se voient, il y a eu plus de viols. Pas finalement la vie. C'est peut-être nous, les hommes, qui va falloir qu'on se réfléchisse. Parce qu'à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit que l'enfant, en lui disant oui, la femme doit être vraie, mais le garçon, on lui dit, vous ne gagnez pas. Il faut qu'on voit notre éducation finalement à ce nous-mêmes, nos garçons, comment on les aide. Enfin, bref, donc c'est, il y a la question de la vie, il y a la question de la consommation, il y a la question de la consommation de manière générale, que ce soit internet ou ces produits de technologie. Mais de consommation que nous mangeons. Mais aussi, il y a un rapport avec les élus. Aujourd'hui, on ne prend pas le temps. À l'époque, pour les musulmans que nous sommes, on peut dire que le prophète donne la main. Mais il savait jamais enlever la main. Jamais il a enlevé la main. Ça veut dire qu'il gardait la main pendant très longtemps. Et donc, ça veut dire qu'il avait une compréhension avec la personne, il donnait son temps à la personne, mais nous, on donne tout le temps à la personne. Nous sommes dans le monde pressé de faire tout. Ça vient mieux par rapport au temps, ça c'est quelque chose qui est. Mais on ne donne pas au temps. La dernière fois, j'étais près de député de chez Doyle qui me dit, à l'époque, dans la société de vous, qu'est-ce qu'on faisait? Le soir, quand on venait des champs, on était là en train de discuter ensemble. Et ça, c'était de la culture. On réfléchissait, on discutait beaucoup de choses se décidaient dans les cercles familiales. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est observé par la télévision, on n'a plus de temps à lui-même, on donne plus de temps à lui-même. Et donc ça pose un problème. Pourtant, la télévision peut avoir des données. L'internet peut avoir des données. Est-ce que nous, la manière de consommer ça, est-ce qu'on fait attention à la manière dont on consomme? C'est un peu difficile. Moi, j'ai réfléchi beaucoup à la télévision. J'ai écrit des textes sur la télévision. Et j'ai dit que la télévision sénégalaise n'est pas culturelle. Parce que tout simplement, la manière dont on donne les choses, c'est juste pour nous permettre d'être disponible à la publicité. Donc c'est une condamnation de l'âme dans le corps qui est
péché.